Devenue inaccessible aux véhicules à cause de la dégradation d'une partie de sa chaussée, l'avenue Louis-Portelin est coupée en deux, causant ainsi des soucis aux riverains, mais aussi aux tenanciers de quelques commerces installés aux alentours de cette voie, qui ont désormais du mal à faire entrer leurs marchandises. Regardez derrière moi, regardez toutes ces boutiques-là. Ils sont tous fermés. Tout juste à cause de la voie. Tout au long de l'avenue-là. Moi, j'ai un Vigor là-bas. Ça fait plus d'une année que j'ai fermé. À cause de la voie. Donc, vraiment, nous subissons que la mairie fasse quelque chose d'abord, au moins de faire quelques retouches pour que, qu'il y ait un passage, que la population puisse vaquer normalement à ses préoccupations. Quand j'arrive, c'était en pleine pluie, je me suis plus retrouvé. Je voulais passer, mais il m'a dit non, la voie est coupée. Mais la voie n'était pas de cette manière. Et on m'apprend que le chef du gouvernement est passé ici plus de 3 fois. Pour venir regarder la situation de cette voie dégradée. Nous avons élu des gens qui discutent pour nous, qui partent à l'hémicycle discuter pour l'intérêt en fait de leur circonscription. Plus d'une fois, ils sont descendus, mais rien ne s'est fait d'une manière concrète. À en croire les habitants de cette zone, les travaux de réparation entrepris ici il y a quelques mois par la municipalité n'ont fait qu'empirer la situation. C'est tout juste après les travaux là, après les travaux qu'ils ont effectués, que l'eau a débordé de ce côté-là. Ils avaient arrêté leurs travaux au niveau de la boulangerie là-bas. Ça fait 25 ans que moi je suis ici, je n'ai jamais vu la canalisation là. Depuis qu'ils ont commencé à faire les travaux là-bas, là, l'eau est venue vers ce côté-là. Ça a coupé directement la voie, donc il n'y a pas possibilité de passer. Les rues font partie vraiment des, faut le dire, les problèmes les plus cruciaux de cette ville de Pointe-Noire. Ça ne démontre pas l'image d'un pays en pleine évolution. Face à l'impraticabilité de cette partie de la voie, les chauffeurs de taxi sont obligés de faire le contour pour joindre l'avenue de la République ou pour sortir vers Rex lorsqu'il s'agit de déposer un client habitant sur l'avenue Louis-Portelin.